J'étais en train de m'occuper de mes blattes et j'ai remarqué un truc bizarre chez cette femelle. Les contours de son corps sont pas réguliers, on voit quelques bosses sur les côtés. Alors j'ai ma petite idée de ce que c'est, mais il va falloir attendre un peu. Ah, voilà, ça y est, ils sortent. Ce sont ces bébés et c'est la première fois que je les vois. Il y a environ 4 à 6 mois de gestation, les petits se forment à l'intérieur de la mère et vont se cacher sous son abdomen dès qu'ils naissent. Ça leur permet d'être protégés, mais peut-être aussi d'être nourris. Chez certaines blattes appartenant à la même famille, on a observé les petits en train de boire des sécrétions maternelles émises par des orifices situés entre les pattes. Et Pseudoglomeris magnifica pourrait également faire partie de ces espèces qui nourrissent leurs petits à la naissance. Il y en a environ une dizaine sous cette maman. Et quelques jours plus tard, je les ai vus se balader dans le groupe, toujours à proximité des grands. J'ai l'impression qu'ils vont aussi se cacher sous les mâles adultes, même s'il y a moins de place pour se faufiler. Parfois, ils vont explorer tout seuls les environs, mais ils s'éloignent jamais et ils reviennent très vite au groupe. C'est fascinant à observer.